Bonjour à tous. Alors, soyons parfaitement clairs, ici en France, chez nous, en Italie, voire plus généralement en Europe, le marché n'est pas une longue route tranquille. Il y a quelques virages, ça et là, l'adhérence est mauvaise, le pare-brise est plutôt embué, et on signale même des obstacles. Bon, ben, puisqu'en plus, aujourd'hui, il pleut, c'est le moment d'ouvrir grand les yeux et de conduire avec vision. Alors pour Fiat, la vision est mondiale. Si Fiat a une vocation mondiale, c'est qu'elle apporte des réponses simples à des besoins universels. Liberté, avec des voitures accessibles, mais aussi pratiques et économiques à utiliser. Responsabilité, avec une approche à l'innovation centrée sur un objectif. Ce qui est bon pour l'environnement doit aussi l'être pour le portefeuille de nos clients. Et pourquoi pas aussi plaisir. Plaisir avec des voitures agréables à conduire, agréables à regarder et surtout conçues pour que le plaisir soit partagé. Ces valeurs typiquement européennes sont un succès à l'exportation et regardez ce que cela donne par exemple aux États-Unis. Aux US, nous nous étions fixés comme objectif de vendre plus que notre principal concurrent. Eh bien, mois après mois, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Les volumes sont en croissance de 200% sur les particuliers. Nous avons battu notre propre record 8 mois de suite et sur les seuls 6 premiers mois, nous avons déjà dépassé toutes les ventes de l'an dernier. Et puis, les versions Gucci et Abarth sont d'ailleurs en rupture de stock. Alors maintenant, un mot du Brésil. Au Brésil, 2012 se profile comme la meilleure année de l'histoire de Fiat. Rien qu'en août, nous avons vendu plus de 100 000 voitures et véhicules utilitaires. Et puis enfin, la Chine. Alors c'est vrai que nous sommes plutôt les derniers que les premiers à nous y lancer. Mais cela signifie aussi que le plus grand marché au monde représentera pour Fiat un plus dans les années qui viennent, un pur volume additionnel. Pendant que je vous parle, nous sommes d'ailleurs en train de lancer la Fiat Viaggio, un partenaire chinois, un produit conçu pour le client chinois et fabriqué en Chine. Autant d'atouts pour réussir. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes prêts, nous sommes résolus. Et permettez-moi de vous le dire, nous avons tout le punch qu'il faut, y compris en Europe. Alors c'est clair, nous devrons travailler pour transmettre au public l'idée que nos valeurs de mobilité, liberté, responsabilité sont la réponse parfaite aux défis du moment. Mais bon, regardez nos produits. Prenez la nouvelle Fiat 500L. Le look d'une icône, compact dehors, spacieuse dedans, polyvalente, économique à l'usage, personnalisable à l'infini, un prix compétitif et une cible qui n'exclut aucun type de client. En bref, une voiture qui réinvente les règles du segment. Alors, 500L, cool and capable, cool et fonctionnel. Voilà l'équation cool parce que c'est une 500, mais une 500 plus fonctionnelle, une 500 fonctionnelle à la puissance L. L comme large, large pas vraiment pour les dimensions, 4,15 m, mais pour l'habitabilité, 5 adultes et 5 valises, et puis pour la modularité, pas moins de, vous l'avez vu, de 1500 configurations. L ensuite comme légèreté, une technologie légère parce que facile à utiliser, des moteurs légers pour l'environnement et pour la consommation. Et puis L comme lumière, avec la meilleure visibilité du segment et un espace, j'allais dire un loft, qui invite à personnaliser, à vivre et à partager. Et enfin, elle, comme lifestyle, grâce à la machine à café Lavazza, incorporée pour les amateurs d'expresso, et au système audio le plus cool qui soit, Beats, pour les audiophiles. Alors voilà comment Fiat 500 est cool. Alors la 500L... Donc la 500L, vous disais-je, peut déjà être commandée dans la plupart des marchés européens, en France. Et puis en 2013, l'offre se complétera avec deux nouveaux moteurs, une nouvelle transmission, la version trekking et la 7 places. La nouvelle Fiat 500L est clairement pour la marque la grande nouveauté du moment.